étrange misère qui étrangle la voix. Okay. Moi, c'est Michel Caron. Ça fait 10 ans que je suis en Alberta. Étrange de s'y faire. S'y faire une autre fois. Je m'appelle Isabelle Gagnon. Ça fait 4 mois et demi que je suis en Alberta. Puis j'ai 14 ans. Étrange. Étrange comme la grêle qui fracasse l'été. Bonjour, mon nom c'est Sébastien Faust et j'ai 14 ans. Le plaisir de la lune. Ah, je m'appelle Frédéric Faust, j'ai 13 ans. Dont la face est cachée. Je m'appelle Geneviève, j'ai 13 ans et ça fait 2 ans que j'habite en Alberta. Étrange. Étrange le mystère. Je m'appelle Mélissa Cloutier, j'ai 16 ans. Puis ça fait depuis le 31 juillet 1996 que j'étais à Calgary. Comme si tout indiffère. Je m'appelle Suzanne Wandler, puis j'ai 16 ans. Je m'appelle Sophie Balussard et j'ai 16 ans. Je suis allée prochainement sur le bourgeois. Et je suis d'origine de l'Albertaine. Mon nom est Mathieu Bessel, j'ai 17 ans, ça va faire 2 ans et 2 ou 3 mois que je suis à Calgary, en Alberta. Au plus creux de mon être, quel étrange chagrin. Ici, qu'il n'était pas pour aimer l'école, il n'y avait rien de positif en lui. Absolument rien. C'est la journée même qu'il s'est décidé. Puis, moi, ça me faisait beaucoup de peine, mais je me disais, ben là, c'est quasiment impossible de partir du Québec puis pas emmener mon gars, là. Un déménagement, c'est un deuil. On fait le deuil d'un site où on est resté, on fait le deuil de nos amis. Même si on sait qu'on les garde dans notre cœur, ils seront pas toujours là physiquement quand on va en avoir besoin. Donc, on savait très bien qu'on leur imposait tous ça. Mais c'est comme ça, la vie. La vie, c'est comme ça. Bien, mes parents, eux aussi, il faut qu'ils s'habituent. C'est vraiment un gros changement. Puis, ils essaient de nous faire sentir le plus chez nous possible. À la maison, tout ça. Ils changent pas trop nos habitudes pour être sûr qu'on se sent vraiment chez nous, sur ma mère. On restait dans le canton de l'Est, au Québec. Puis c'est sûr que ça a été difficile au début parce qu'on pensait qu'on allait tout perdre, qu'on allait au bout du monde. Donc finalement, ça n'a pas été si pire que ça. Puis on pensait pas qu'elle allait avoir autant de français ici. Notre peur, c'était un petit peu probablement parce que venant du Québec, notre peur, c'était les confrontations anglais-français. Donc, on osait plus ou moins parler français. Ou on parlait pas trop fort. Oui, ou on parlait tout bas. Mais en fin de compte, on s'est aperçu que de toute manière, presque à chaque endroit où on allait, il y avait quelqu'un qui comprenait le français ou qui parlait français. Puis qu'en fin de compte, moi-même, des fois, j'étais en ligne à l'épicerie, puis 2 caisses plus loin, il y avait quelqu'un qui parlait français. On a décidé à 3. Lui est petit, mais quand même, il était content aussi de venir. Mais la décision, c'était en famille. Oui, et puis quand on a su effectivement qu'il y avait tout un contexte francophone, c'était peut-être une des raisons supplémentaires pour ne pas hésiter, quoi. C'était me couper avec mes amis, ma famille. Quand mes parents m'ont annoncé que je déménageais à Calgary, je voulais pas, parce que ça me faisait peur de déménager dans une place que je parlais pas la langue. Puis ça m'intéressait pas non plus de partir du Québec, parce que pour moi, le Québec, c'est ma place. J'étais née au Québec. Puis si je m'en allais de là, c'était comme si je changeais complètement ma vie. Puis aussi, j'avais peur de ma meilleure amie, puis mon frère, puis tu sais, les personnes qui étaient proches de moi. Là. Ça arrive encore là, que il y a des moments là, qui sont plus pénibles.
c'est, l'adaptation c'est, se fait quand même, là, mais ses amis lui manquent. Parce qu'ici, elle dit que les amis anglophones, c'est pas comme les amis au Québec. Mais premièrement, la manière dont j'ai réagi quand j'ai su que je déménageais en Alberta, bien, j'ai appelé tous mes amis, je leur ai dit, c'est sûr, je pleure un peu parce que c'est dur partir avec toute la famille, partir, laisser toute la famille et tous les amis derrière, mais tout est fait. Difficile. Les premiers temps, c'était très difficile. On s'est adapté après ça assez bien, parce que j'ai eu des très bons voisins qui m'ont bien aidé, fait que ça s'est fait tranquillement. Ça s'est bien... On s'est bien adapté à la situation. J'avais l'impression que aussitôt que tu sortais de la frontière, que tu traversais la frontière du Québec, le français c'était fini, puis personne t'aimait. De ce côté-là, l'accueil, j'aime. Puis j'ai jamais senti, jamais, qu'on m'en voulait d'être québécoise, de parler francophone, de faire une voiture de plus sur l'autoroute qui fait qu'il y a plus de trafic le matin et le soir, qu'on est différent d'eux. Au contraire, tout le monde est très gentil. Tout le monde dit, mon Dieu, vous parlez bien l'anglais. Moi, s'il fallait que dans le sens contraire, ce soit moi qui doive m'acclimater au Québec puis au français, j'aurais de la difficulté. Les gens sont très fins. Ben, j'ai trouvé ça dur au début parce que je parlais pas anglais, mais pas du tout. Maintenant, je suis... T'es pro. Non, je suis pas pro, mais je me débrouille bien. Mais c'est sûr que le Québec me manque, ma famille me manque, mais c'est quand même bien. T'sais, je veux dire, je trouve que le monde est très sociable ici. Disons, le premier 6 mois, je ne voulais pas, même pas sortir avec la voiture parce que j'avais peur. S'il m'arrive quelque chose sur la route, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas capable de me débrouiller. Puis, je suis allée suivre une session en anglais. Et puis... J'ai trouvé ça difficile. Quand j'allais faire mes commissions, tout ça, je dépendais de Michel. Et puis, maintenant, c'est un peu plus facile, mais c'est un problème encore. La plus grosse peur, c'est de tout laisser en arrière. Tu t'en viens où ce que tu connais pas personne, t'es tout seul. Si quelque chose arrive à ton mari ou à tes enfants, tu dis pas un mot de français ou d'anglais, c'est ça qui est plus épeurant, parce que tu te dis comment je vais me débrouiller. S'il arrive de quoi mon mari, je suis seule avec les deux enfants, là. Qu'est-ce que je fais? Mes parents ne peuvent pas venir m'aider. Je suis seule, là. C'est pareil comme si tu t'en irais dans un autre monde. On a déjà déménagé une paire de fois. On a d'abord été en Amérique latine. En Afrique? Ensuite, on est allé au Tchad. Ensuite, on est resté en Belgique pendant maintenant pratiquement une dizaine d'années sans interruption. C'était le moment de départ. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Mon père est souvent transféré à cause de son emploi. Alors, on a déménagé en Afrique, on a habité au Québec. J'ai habité beaucoup au Québec, mais j'ai déménagé la plupart du temps, j'ai déménagé au Québec. Puis, mon plus gros déménagement, ça a été en Afrique, mais j'étais tellement petite que je ne m'en rappelle pas vraiment. Puis, comme quand mes parents m'ont dit que qu'on allait déménager en Alberta, vu que j'étais plus vieille, ça a été comme un assez gros choc parce que je savais que j'allais devoir tout laisser ma famille comme mes cousins, mes cousines, puis mes amis, puis mon école surtout, là, c'était comme, j'étais pas mal triste. Un déménagement comme on l'a subi, nous, il y a 2 ans, quand on s'est emmené ici, je pense que c'est un petit peu plus dramatique que pour quelqu'un d'ici. C'est un peu difficile de savoir d'avance combien de temps qu'on va rester. Parce que, comme quand on a déménagé en Abitibi, en partant de Montréal, on était prévu pour une durée de 2-3 ans. Finalement, on est resté là 17 ans. Ça fait que même ici, en arrivant, on se dit, bon, on va rester 3-4 ans. Mais finalement, si tout va bien, puis si l'emploi va bien de même aussi, puis... mes enfants poursuivent leurs études, ils sont rendus à l'université. C'est pas rendu à un niveau où tu peux facilement changer de redéménager après. Ça fait que, dans le fond, j'aime autant pas penser pour combien de temps qu'on est ici. Tant qu'on est ici, on profite de l'Alberta. Oui, on a déménagé pour 3 ans. Ça fait presque 20 ans. Ça, c'est une anecdote que je me dis. Ça, c'était le plus long 3 ans de ma vie. J'ai quitté ma terre.
n'achète pas la terre. La terre, c'est moi et toi. Un beau matin, vous verrez les flammes de ma fusée prendre le ciel vers mon nid. D'ici quelques années, si c'est encore leur désir de retourner à l'école au Québec, on va les envoyer au Québec. Et peut-être que nous autres, on retournera au Québec aussi. Alors, pour les élèves qui viennent ici, je pense que c'est toujours à penser, à regarder cette importance de garder leur langue, la culture aussi. Souvent, dans un contexte minoritaire, on oublie que ces élèves-là n'ont pas le même contexte culturel qu'ils auraient s'ils vivaient au Québec, par exemple. Alors, j'essaie de donner ceci à mes élèves, de dire, tiens, le français, ce n'est pas non seulement le français « je vais, tu vas, il va », mais aussi on peut s'amuser en français et on peut s'exprimer et se découvrir dans la langue française. Déraciné, troublé, dans ton accent hésitant, les mots se brisent, mais ne font jamais semblant. Louisa, Louisa la pluie. Le fait d'aller à l'école française, d'après moi, ça m'aide assez. Au début, je parlais pas bien anglais. Je parlais pas partout anglais quand j'étais arrivé à Calgary. Mais je me suis pas mal amélioré, puis d'après moi, je serais capable d'aller dans une école anglaise maintenant, mais je veux garder mon français, donc je reste à cette Marguerite Bourgeois. Alors, je suis la présidente du conseil d'étudiants. Et je dois faire ça parce que... J'ai beaucoup de choses que je voulais faire, puis des choses, rester à l'école, parce qu'on sait, dans une école francophone, il y a de l'esprit, il y a toujours l'influence anglaise, alors... C'est une réalité quotidienne chez nos élèves, l'anglais. Puis en les exposant à ce qui se passe à l'école, je trouve que c'est quand même une bonne façon de garder la culture. J'ai changé d'école pour une école anglaise l'année passée. Mais c'était immersion française, mais c'est juste anglais, quasiment pareil. Puis quand j'étais là-bas, je me suis ennuyée des gars françaises, parce que c'était plus la même chose. Francophone puis anglophone, je trouve que c'est totalement différent. J'aime mieux l'école francophone. Comment trouver les mots qu'il faut pour apaiser son cœur blessé? Nos jeunes, c'est important d'avoir un vrai partenariat entre l'école, mais aussi les parents et le reste de la communauté francophone ici. Nous aussi, on fait face à les mêmes sortes de défis pour que les élèves. On sort de notre milieu ici à l'école et tout à coup, on se retrouve dans un bain anglais. Elle a pris la décision elle-même d'essayer une école d'immersion française. Et elle est revenue à l'école française. Alors lorsque c'est l'étudiant même qui prend cette décision-là, je pense pas qu'il y ait aucun risque d'assimilation. J'ai découvert aussi à Sainte-Maurice qu'il y avait des hauts et des bas comme ici, sauf qu'à mort, par le fait qu'elle avait toujours été à l'école francophone, elle n'avait jamais connu d'autres écoles, alors elle croyait que ça pouvait être mieux ailleurs. C'est pas naturel pour eux de parler en français, de parler de leurs sentiments en français. J'ai commencé l'école à 5-6 ans, je parlais juste en français. Puis là, ils te jettent en école anglophone. Là, t'as pas le choix de parler juste en anglais. Donc, t'arrives à la maison, tu veux apprendre ton anglais. Et ta famille parle juste en français. Puis mes parents sont comme moi, je suis avec mes enfants maintenant, ils sont toujours parlent en français, parlent en français. La musique pop, c'était les Beatles dans ce temps-là, puis ça ne m'intéressait pas, la musique française. Alors, j'ai passé par une étape où c'était pas cool d'être francophone. L'anglais, puis là, par le temps que j'ai gradué, je parlais plus français. Puis je parlais avec ma grand-mère, mais je voulais pas, j'avais honte de parler en français parce que tout le monde parlait en anglais.
Et tout le monde, tous les ados à l'école, tout le monde, c'était comme t'étais weird si tu parles en français. Traumatique, ça vient en anglais premièrement. Wow, recommence, on le fait en français. Mais madame, ça vient plus facilement, je pense en anglais. Il va falloir qu'on se pratique à penser en français dans ce cours et de s'exprimer en français. Et je sais, c'est difficile parce que la musique est en anglais, la télévision est en anglais, on prend l'autobus de ville, ça se parle en anglais. Partout, ça se parle en anglais. Alors, de venir à l'école et tout à coup, il faut reprogrammer notre pensée et de penser en français, que les pensées viennent en premier en français et non en anglais. Beaucoup, beaucoup plus facile de parler en anglais. Puis des fois, on dit, OK, on va parler français aujourd'hui. On commence en français, puis tout à coup, ben, on continue en anglais. We're a bilingual country, French and English. My wife's French, I'm English. I've moved all over the country when I was in the Army and also when my dad was in the Navy. The kids are bilingual. They can fit in anywhere in with language. A secondary reason is that we're becoming a global community. It's important to know as many languages as you can get. And when you learn that at a young age, it's much easier to pick up other languages. Third reason, was from a personal standpoint, is that my only living grandparent was German. My dad was German. And we moved all around, and I could never talk to her. And I was not going to have my kids not to be able to talk to their grandparents. Personnellement, je me sens anglophone. Je suis francophone et je parle en français, mais pour moi, c'est plus facile de fonctionner en anglais. Alors, si je veux parler, si j'ai une présentation orale, je vais penser en anglais, puis essayer de traduire. Parce que je pense que l'influence anglaise, la musique que j'écoute, les émissions que je regarde, les revues que je lis, les livres, c'est tout anglais. Alors, je me considère plus francophone parce que c'est qui que je suis, c'est mon nom, c'est ma famille, c'est ma culture, mais je suis anglophone aussi, je peux pas être une sans être l'autre, alors je pense que je suis un peu les deux. Je trouve ça très dur d'être minoritaire, mais tu te fais, il va tout le temps avoir du monde qui aimeront pas les, comme les Français en Alberta, mais ça va toujours rester, mais la plupart du monde sont bien gentils. Une personne, ça change pas avec la langue. C'est toujours la même chose. Français ou anglais, c'est la même personne en dedans. Bien, en français, d'habitude, je parle plus vite. Je m'exprime peut-être mieux qu'en anglais. Et en anglais, des fois, je cherche plus mes mots. Puis en anglais, ben, je vais être plus tranquille un peu. Mais sinon, c'est pas mal de temps pareil. Je trouve que je suis totalement différente. En français, je suis moi-même. En anglais, j'ai pas la même voix, je suis pas la même personne. C'est comme si je me changeais complètement, puis j'aime pas ça. Français-espagnol, je parle avec les enfants, les deux. Je peux parler des moments tout à fait en espagnol, et ils vont me répondre toujours en français, par contre. Jamais en espagnol. Mais ils comprennent tout. Ils parlent avec leur grand-mère, qui est au Pérou. Ils parlent espagnol, par exemple. Je me trouve spéciale, parce que je suis capable de parler français. Puis comme quand je vois mes équipes, comme je joue beaucoup de soccer, puis je vois mes équipes de soccer, puis ils m'entendent parler, comme ils savent que je parle en français, ils sont comme wow, ils sont vraiment comme impressionnés. Puis j'aime ça, comme j'aime savoir une autre langue, puis j'aime montrer aux gens que je sais pas seulement l'anglais, je suis capable de parler quelque chose d'autre. Beaucoup de personnes ici qui sont de souche francophone, sauf qu'ils parlent pas français du tout, ils sont pas capables de dire un mot, ils sont pas capables de rien comprendre. Et nous avons rencontré des gens qui s'appellent Dubé, son nom de famille, avec l'accent, etc. Ils ont grandi en parlant français, puis que 40 ans plus tard, ils comprennent même plus. Entre autres. Donc, de garder son français, c'est très individualiste. Je trouve ça de valeur, il y a beaucoup de non-francophones, puis des Leblanc, puis des toutes sortes de noms de famille francophones, puis comprennent absolument pas un mot de français. Cette valeur, des fois, dans deux, trois générations, de tout oublier. Là. Je pense que je vais toujours en avoir un. Probablement qu'il est moins évident que celui que j'avais il y a 8 ans ou 10 ans. Mais j'ai encore un accent français, puis je veux le garder, je veux pas le perdre.